Things are not always what we think they are. A social illusion, a private delusion. The social lies that fool our eyes. The private denials on our secret files. Look deep inside. See through illusion. Dispel delusion. Donc, Yedia Chavbet, page 114. Chez Meitralkut Achokmatata Vamalkut Larba Kitot Abanim Sheba. מובן ומבואר שכנגד זה תתרומם ותתנשא עליה מדרגת השכל העליון להיות באחדות לבד. Maintenant, comme on a vu que la Chokhmat Tatar, la Malchut, le pouvoir d'en bas, il se divise en quatre enfants, c'est-à-dire on a les quatre aspects du genre d'élève, du genre d'enfant, c'est-à-dire Yachacham, Racha, Tam, et Sheno Yodea Lishol. Alors ça par rapport à ces quatre ramifications, il va y avoir au-dessus de ces quatre ramifications quelque chose qui va pouvoir les réparer par le fait qu'il y avoir une unification de ces quatre choses-là. C'est-à-dire que toute la réparation, elle va venir de l'unification de ces éléments. De la même manière que dans le monde, il y a le Shem Havaya, que le Shem Havaya, il donne quatre éléments dans le monde, l'air, le feu, la terre et l'eau. Ces quatre éléments-là, qui se trouvent dans les quatre genres qu'il y a dans le monde, qui est le genre humain, animal, végétal et minéral. Maintenant, ces quatre éléments-là, leur tikkun, il passe automatiquement par l'ahdout, c'est-à-dire il faut que ces quatre éléments ils s'unifient quelque part. C'est là où il va y avoir une réparation. C'est-à-dire que maintenant, en descendant, en essayant de voir, d'expliquer par rapport à l'enseignement que le tzaddik y donne, quand on parle d'aller chercher le rav, l'enseignant qui est valable, c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant, ce qui t'enseigne, sont pas des spécificités, des spécialités. L'enseignant, il doit t'enseigner des généralités. Plus tu as une connaissance générale, c'est pas une connaissance générale comme ça s'entend chez les goïms, parce que chez les goïms, la connaissance générale, ça vaut rien. Ça veut dire nul. C'est-à-dire, quand tu dis quelqu'un, il a une connaissance générale, ça, c'est nul. Mais c'est pas de cette connaissance générale qu'on parle. Ça, c'est la connaissance générale qui est en dessous la connaissance spécifique, spécialité. Mais on parle maintenant, nous, d'une unification, d'une connaissance générale, d'une connaissance unifiée qui est au-dessus des ramifications de la connaissance. Par exemple, tu prends dans la médecine, tu as le médecin général, généraliste. Alors généraliste, en général, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaît les premières choses de la médecine, les choses les plus simples, d'accord? Maintenant, quand il devient spécialiste, par exemple dans le foie ou dans le cœur, il rentre dans un domaine. Maintenant, imagine qu'après ça, il y a une autre médecine où le gars, il connaît toutes les spécialités en même temps. C'est-à-dire, il a une connaissance de la médecine, il connaît tout. Il connaît le foie et les poumons et les oreilles et les yeux, tout. Toutes ces choses-là en spécialité, mais dans une connaissance, pas dans plusieurs connaissances. C'est ça, c'est ce que Rabbeinu l'a dit, toute ma Torah, le Maasé, il a dit Rabbeinu, toute ma Torah, c'est des klaliyut. C'est-à-dire, ce qu'on apprend avec le Rebbe, c'est des klalim. Ce n'est pas des choses pratiques. C'est-à-dire, on ne parle pas maintenant de pratique dans le sens pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses particulières. C'est des choses qui incluent énormément. C'est-à-dire, ce que tu apprends du Rebbe, c'est des choses qui vont inclure énormément de choses dans ta vie que tu vas pouvoir résoudre grâce à ces connaissances-là. Alors maintenant, quand tu as les quatre enfants qui sont Chacham, Racha, Tam, Veshena, Yodea, Lishol, les Maasé, eux, ce sont des gens qui se sont attachés à un genre de développement de la vie dans ce monde. Alors ces quatre genres de développement qui ont donné les quatre Galouyot dans la Sitra Chara, ces quatre genres-là, au-dessus de ces quatre genres-là, il y a l'unification de ces quatre genres de personnes. C'est-à-dire que maintenant, chez le Rav, aussi bien le Racha, aussi bien le Chacham, aussi bien le Racha,
aussi bien chez le Tam et chez nos Yodea Lishol, les quatre, ils vont trouver leur compte chez le Rav. Parce que lui, quand il parle, il s'adresse automatiquement à ces quatre en même temps. C'est-à-dire les quatre, ils vont ressentir une ouverture par rapport à la Chochma du Rav. Pourquoi ? Parce que la Chochma du Rav, elle inclut ces quatre aspects. Alors ce qu'il dit ici, et maintenant, plus le Rav va monter, lui maintenant, plus le Rav va monter, plus il va s'inclure dans Echad, dans Hachem qui est Echad. Jusqu'à que maintenant, du côté du Rav, il n'y aura plus du tout de difficulté pour lui à soigner ses élèves et ses enfants. C'est fini, il n'y aura plus de problème chez lui. C'est-à-dire que maintenant, lui, il va être complètement en dehors du moindre souci, du moindre problème, du moindre souci de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci de ce monde, aucun problème, aucune difficulté qui va représenter un empêchement pour lui. Parce que là où il est arrivé, en s'élevant, il a amené ça, il a amené tous les niveaux qu'il avait en bas, il les a élevés, jusqu'à qu'il est arrivé dans l'Achdout avec Hachem Mamash, comme Moshe Rabbeinu, Isha Elohim, c'est-à-dire inclus dans Hachem Mamash. Maintenant, quand le Rav il s'inclut dans Hachem Mamash, alors lui, de son côté à lui, il n'y a plus aucune difficulté pour résoudre le problème de n'importe qui et n'importe quel problème. C'est-à-dire tout est résolu. La seule chose maintenant, c'est que du côté de l'élève, il doit avoir la même attitude par rapport au Rav. C'est-à-dire plus l'élève il va être soumis au Rav et plus il va recevoir la refoua, plus il va recevoir le médicament du Rav, plus il va recevoir la Torah du Rav. Tout dépend de combien il va lui être mitbatel. C'est des principes, si vous voulez, de pyramide. C'est un principe pyramidal, si vous voulez. Mais quand il y a en bas des problèmes, ces problèmes, ils existent au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, vous allez trouver 20 genres de problèmes. Maintenant, quand vous montez au premier, ces 20 genres de problèmes vont donner 10 genres de problèmes. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez n'importe quelle personne du premier étage, elle peut résoudre déjà deux problèmes minimum des gens qui sont en dessous. Maintenant, vous prenez celui qui est au deuxième étage, il n'y a plus que 5 problèmes. C'est-à-dire qu'on a résolu le problème d'en bas, on a fait maintenant de 4, on a fait 1. Donc celui d'en haut, 5, ça inclut 20, comme les sarés à la fime. Les sarés à la fime qu'il avait, Moshe Rabbeinu, il avait des princes de 1000. Ces princes de 1000, c'était des gens qui étaient capables de résoudre le problème de 1000 personnes. C'est-à-dire n'importe quel groupe de 1000 que tu leur donnais, ils avaient la solution pour tous les problèmes qu'ils avaient. C'était des manigim, c'était des chefs de 1000. Maintenant, il y a des chefs de 100, il y a des chefs de 50, il y a des chefs de 10. Tout ça, c'est des personnes qui ont en eux le yichoud du problème qu'il peut y avoir chez 10 personnes. C'est-à-dire que comme un père de famille, il est normalement capable de résoudre les problèmes de sa famille. Pourquoi ? Parce que lui, il représente l'esprit qui inclut toute sa famille, puisque tous ses enfants, ils viennent de son cerveau, et sa femme, c'est sa moitié en féminin, et tous ses enfants, ils viennent de son cerveau. Donc il les porte tous dans son, il les a tous dans son cerveau. Donc il peut résoudre le problème de tous les enfants. Comme on dit qu'un père il peut nourrir 10 enfants, mais 10 enfants ne peuvent pas nourrir un père. Parce qu'un père, dans sa tête, il a ses 10 enfants. Quand il marche, il les porte dans son cerveau, c'est avec tout ce qu'ils ont. Quand dans ses poèmes Asiyot, c'est « Mouat marzik tamerouber » Rabbe nous rapporte. Un petit peu qui contient beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a sur ses épaules, il porte des milliers de gens. C'est-à-dire quand il déplace tous ces gens-là avec lui, il répare tous ces gens-là en même temps. Donc maintenant, le principe de l'enseignement, c'est l'enseignement qui va être le plus intéressant, c'est que les personnes t'apprennent les klalim des choses. Par exemple, tu veux apprendre l'agmara, il y a des klalim de l'imou de l'agmara. Maintenant, si tu commences à apprendre l'agmara dans le texte et tu ne connais pas les klalim, tu vas apprendre des textes de gmara, mais tu vas toujours être tributaire
d'un texte que tu as vu ou que tu n'as pas vu. Et si tu ne l'as pas vu, tu vas être bloqué. Si tu apprends Klali Limoud du Talmud, il y a des Klalim, comme ça, il y a Klali Limoud de la Gemara, ça existe. Tu connais les Klalim. Tu sais, quand la Gemara elle dit comme ça, ça veut dire ça. Quand il y a ça, ça veut dire ça. Il ne peut jamais avoir ça après ça. Il ne peut jamais avoir ça avant ça. Si on a déjà dit ça, on ne peut pas le redire là-bas. C'était, tu vas prendre tous les Klalim. Une fois que tu as ces Klalim-là, tu rentres, tu as déjà une vision global de ce que tu vas étudier. Après, tu vas rentrer dans les détails, c'est facile. Maintenant, si tu rentres, tu t'attaches sur les détails, tu peux rester là-bas tout le temps, tu sors pas. Maintenant, dans ce monde, c'est la même chose. Si maintenant tu vis ta vie en détail, c'est-à-dire que ta vie, tu la gères par rapport aux détails qui se passent dans ta vie, tu peux rester toute la vie dans la même zone. Tu vas évoluer dans la même zone. Maintenant, si jamais dans ta vie tu fais une ouverture au niveau supérieur, c'est-à-dire que tu es ouvert à une voie qui vient d'au-dessus de ton niveau, alors tu es prêt à monter. Prêt à monter, c'est quoi? Ça veut dire que tu es prêt à rentrer dans un niveau qui va inclure tous les niveaux dans lesquels tu es maintenant. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, tu es dans 10 choses en même temps, tu vas rentrer dans quelque chose où avec 5 choses, tu vas résoudre ça. Avec 5 choses seulement, tu vas résoudre ce problème-là. Et ça, c'est un principe nifla meod. C'est-à-dire, ce principe-là, c'est un sot dans tout, dans la famille, dans le business, dans tout, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut aller à la source des choses. Quand il y a une chose, tu vas à la source. Quand tu vas à la source, tu vas voir que tu vas gérer beaucoup de choses en même temps. Il y a des gens qui gèrent, il y a des gens qui sont gérés. Celui qui est géré, il est comme une ramification de quelque chose. Maintenant, celui qui gère, les ramifications, elles partent à partir de lui. Donc maintenant, sa connaissance, elle est plus clalite. Alors quand le Rav, il monte dans la pyramide de l'infini, c'est-à-dire vers Hachem. Quand il arrive au point de maximum, comme il a dit Rabbeinu, je suis obligé d'enlever le corps, parce que là où je dois passer maintenant, le corps, il ne peut plus rentrer là. Je suis arrivé au maximum de spiritualité qui peut se concevoir dans un corps. Donc maintenant, je dois laisser le corps et continuer à monter. Donc quand le tzaddik, il arrive à la pointe de la pyramide, tout à fait en haut, à ce moment-là, il est arrivé à pouvoir résoudre tous les problèmes du monde. Tous les problèmes de n'importe quel être humain, de n'importe quel animal, de n'importe quelle plante, n'importe quelle pierre. Tout. Parce que les mains, c'est tous les problèmes des êtres humains, ils ne viennent que du manque de l'ardout, c'est tout. Si quelqu'un savait, si une pierre, elle savait comment en même temps elle est une pierre et elle est une plante, puisque la plante maintenant elle sort du minéral, si le minéral il trouvait en lui, si le minéral il trouvait en lui le végétal, et qu'il savait que l'animal il se nourrit du végétal, il trouverait aussi l'animal en lui, et que l'homme il se nourrit de l'animal et du végétal, alors il trouverait l'homme en lui, et ça y est, il ne serait plus un minéral. C'est-à-dire tout ce qui fait qu'il est un minéral, c'est qu'il est séparé des autres. C'est ça qui lui donne son aspect de minéral. Si maintenant il était béardout, il n'aurait plus ce problème-là. Ce problème qui le rend ce qu'il est, c'est parce qu'il est seul là où il est. Il n'arrive pas à se rendre compte que le mincé, il est collèle, toutes les autres choses. Maintenant, l'homme, il est collèle, toutes les prinotes. L'homme, il y a de l'animal, il y a du minéral, il y a du végétal, il y a du minéral dans l'homme. Mais l'homme, il vit pas avec ces choses-là, il ne les ressent pas quand il évolue. Donc lui, il vit avec des parties, il y a des moments où il est comme ça, et des moments, quand il s'agit des tavot, alors il devient un animal, quand il travaille, alors des domaines où il est un homme. Comme ça, il a des cycles où il rentre dans une forme. Mais s'il était Echad avec Hachem, il verrait que toutes ces choses-là, c'est qu'une seule chose, les mains. Il n'y a pas plusieurs choses. Alors lui, le tzaddik, il est inclus dans Echad, c'est-à-dire que lui, comme il dit là-bas dans ses programmes Asiyot, il est à la limite de ce qui peut s'appeler le temps et l'espace. C'est-à-dire que lui, il touche d'un côté de lui, il y a un côté de lui-même qui touche l'infini au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Et un côté du tzaddik qui est dans le temps et dans l'espace. Alors du moment où la personne, elle arrivait à monter, à évoluer, elle a résolu tous les problèmes des gens qui sont en dessous. C'est-à-dire que dès que tu es monté, tu as résolu le problème de tous les gens qui sont en dessous de toi. C'est-à-dire qui sont à un niveau inférieur à toi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils souffrent uniquement de la division. C'est de ça qu'ils souffrent. Ce qui s'appelle souffrance, ça veut dire division. Ce qui s'appelle maladie, ça veut dire division. Pourquoi il y a maladie dans le corps?
Parce qu'il y a soit le feu, soit l'eau, soit la terre, soit l'air qu'il y a dans le corps, qui a commencé à faire des excès, soit à droite, soit à gauche. Soit il manque du feu, soit il y en a trop. Soit il manque de l'eau, soit il y en a trop. Soit il y a du végétal, il y en a trop ou pas assez. Soit du minéral, il y en a trop ou pas assez. C'est tout. C'est les arba et sodot qui ne sont pas équilibrés. C'est ça les maladies. Donc maintenant, si on arrivait à rentrer dans l'ichoud des arba et sodot, qui s'appelle Sadiki et Sodolam, pourquoi on appelle Sadiki et Sodolam ? Parce qu'il est l'ichoud des arba et sodot. Alors là-bas, tout est résolu. Parce qu'il n'y a plus de problème de déséquilibre, ni d'équilibre, puisque ça s'inclut dans l'infini. C'est comme ça que le tzaddik, il est enseignant. Maintenant, n'importe quel enseignant dans le monde, il a cette prina-là. Mais seulement le problème, c'est qu'il n'a pas, Bechlemout. C'est-à-dire, n'importe quel rav qui va enseigner la Torah, il a cette prina-là. Pourquoi il s'appelle rav ? Rav, ça veut dire beaucoup. C'est ce que ça veut dire un rav. Un rav, ça veut dire beaucoup. Beaucoup quoi ? Ça veut dire qu'il inclut beaucoup de gens. Plus un rav, il est grand, plus il inclut des gens. Comme Rabbi nous l'a dit, le Balatania, c'est un sar alafim. C'est un prince de mille. C'est-à-dire qu'il a des milliers de gens qui sont inclus en lui. C'est-à-dire qu'il peut résoudre le problème, la recherche de milliers de gens. C'est ça sa capacité. Maintenant, Rabbeinu, il peut résoudre le problème de n'importe qui dans l'humanité. N'importe quel individu. C'est ce qu'il dit ici. Mitzido, il dit « Atchelo nimtza mitzido shume ikuv klal l'ashpia ou les rapot les nefashot banav » Jusqu'à que de son côté, il n'y a plus du tout aucun problème pour donner et pour soigner les âmes de ses enfants. Maintenant, toute la difficulté dans chaque génération, elle vient du côté des enfants. C'est-à-dire, quand on parle ici des enfants, les élèves, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on parle du même principe. Amuchachim lekabel meito. Qui sont obligés de recevoir du rav. Qui aime hayurdim venishtal shelim miito bemadrega le matam et madrega. Parce que eux, ils sont yordim mishtal shelim miito. C'est-à-dire que chaque tout ce qu'il y a dans l'olam, ça vient du tzaddik qui est sodolam. C'est-à-dire le tzaddik qui est sodolam, il inclut tout. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit une fois à quelqu'un, il a dit tu vois, quelque part il y a quelqu'un à Saint-Pétersbourg, il est en train de vendre du blé. À quelqu'un d'autre, et dit ça aussi, ça vient de moi. Parce que du moment où le tzaddik, il est dans Yesod Apashut, ce qu'on appelle Yesod Apashut, c'est un Yesod, c'est un élément qui inclut les quatre éléments, où là-bas, il n'y a plus ni l'aspect feu, ni l'aspect eau, ni l'aspect terre, ni l'aspect air, c'est Yesod Apashut. C'est-à-dire, c'est un élément simplifié complètement, où il n'y a qu'un seul élément. Alors, tout est inclus là-dedans. Maintenant, tout le problème, c'est l'élève, comment il va recevoir du rav. C'est ça son problème. C'est tout, il y a pas, la solution, elle est là. C'est ça ce qu'on a dit quand on a étudié l'Ikut Halachot, que Rabbi Nathan l'a rapporté plusieurs fois. Il a dit, vous pouvez être content parce que vous avez un rav, que lui, il peut vous soigner complètement. Sache que maintenant, tout le chisaron, il vient que de toi. Parce que la solution, elle est là. Imagine-toi qu'il existe un hôpital où on te garantit qu'on soigne toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie au monde qui ne se soigne pas. Voilà, tiens, un hôpital qui a reçu, comme ça, une askama du monde entier, qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est sorti de cet hôpital-là et qui n'a pas été soigné. Tout celui qui est rentré, il est sorti soigné. Alors maintenant, tous les malades qu'il y a dans le monde, d'où ils viennent ? Ils viennent du fait qu'ils n'ont pas été dans cet hôpital, c'est tout. Ah, on voit des gens qui ont été dans cet hôpital et ils sont restés malades, ils ne sont pas restés. Ou ils sont sortis, ou ils n'ont pas pris le traitement qu'on leur a donné, ou ils ont commencé à se disputer avec des gens là-bas, ou il y a un problème quelque part. Mais l'hôpital, il garantit la refoua. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle te dit ici, « Mitzido, en shum et couvre les rapotes, comme nefashot banam. » Il n'y a aucun problème. De son côté à lui, il y a tout. Maintenant, c'est ceux en bas, comment ils vont aller vers lui? C'est ça le problème. Comment on va se rapprocher? C'est ça notre vrai problème. Tous les autres problèmes, ce n'est pas des problèmes. Le seul problème, c'est comment je monte dans la pyramide pour m'inclure dans la pointe de la pyramide afin que ça résout tous les problèmes qu'il y a en bas. Voilà où il va y avoir la difficulté. Il dit, c'est pour ça que dans chaque génération, il y a des problèmes. Que Mashiach ne se révèle pas, que le tzaddik Hador il n'arrive pas à finir son travail, parce que dans les Mekablim, il y a des problèmes. Comme le Harizal, quand il dit à ses élèves, priez pour que Mashiach ben Yosef ne meure pas,
Et le lendemain, il est mort, le Arizal, parce que c'était pas possible. Ils n'ont pas eu l'ardout qu'il fallait pour pouvoir que Mashiach Ben Yosef, qui était le Ari HaKadosh, il se révèle. Maintenant, Rabbeinu, c'est la même chose. Le Rebbe, il est arrivé à une chokhma, à un endroit dans la chokhma, dans la tzidkout, dans le tzikoun abri, dans tout ce que tu veux, où jamais personne n'est arrivé là-bas. C'est le Yichud avec Hachem, mamash. C'est Yichud avec Hachem. Maintenant, là-bas, il n'y a aucune difficulté. Ça n'existe pas des gens faibles, ni des gens miyouachim, ni des averot, ni des... Il n'y a rien là-bas. Tout se résout. Maintenant, quel est le problème? C'est uniquement d'arriver là-bas, c'est tout. D'arriver là-bas, de ne pas se faire au milieu, de ne pas se faire bousculer, de pas se faire dévier, de ne pas se faire désespérer, de pas s'énerver, de pas... C'est tout. La solution, elle est là. Ça, c'était une grande nechama. C'est pour ça que Rabbeinu s'appelle Nachman, parce que c'est la Nechama du monde, c'est la consolation de l'humanité. Quand quelqu'un t'appelle et tu dis, ça y est, j'ai trouvé. Tu dis, mais attends, je te dis, j'ai trouvé. Tu peux être tranquille. Ça y est, c'est fini. Arrête de pleurer, ça y est. Ne pleure plus, ça y est, j'ai trouvé. Dis, mais comment, t'occupe pas, ça y est, j'ai trouvé, c'est réglé, il n'y a plus de problème, le problème est réglé. Ça, c'est Niflaméon. Qu'est-ce que tu veux de plus comme consolation que ça? Qu'est-ce que tu veux de plus comme consolation? Pas plus grande consolation que ça, que tu sais que ça y est, enfin, il existe un médecin qui guérit toutes les maladies. Tous les malades, de quoi ils ont peur? Ils ont peur de mourir avec leur maladie, oui, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas s'il y a un médicament, s'il va marcher, s'ils vont trouver un médecin qui comprend leur truc, etc. Combien de gens ils sont morts, pas parce qu'il n'y avait pas de médicaments, parce qu'ils sont arrivés trop tard, ou parce que c'était que des problèmes de chez eux. Il m'a dit, le médecin, le cardiologue, il m'a dit, il avait quelqu'un, un rave, il m'a dit, il lui dit toujours de venir faire le truc coronaire, là, de faire la tzintour, là, de nettoyer. Il disait, vous avez des problèmes, il ne faut pas rester avec ça et tout. Et il lui disait tout le temps, chaque fois il venait faire des analyses et tout, il était fatigué, il avait des problèmes cardiaques, il disait, il faut faire ça, parce que c'est pas bon, vous êtes pas... Et il dit qu'il n'avait pas le temps, il n'avait pas le temps. Maintenant, quand il est venu en urgence, c'était trop tard, il pouvait plus rien faire. Et il est mort, le bonhomme. Mais il est mort, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de refoua. Il est mort parce qu'il n'a pas été, c'est tout. Mais il l'avertit plusieurs fois, il dit, viens, on va faire ce qu'il faut faire, tu vas perdre un jour ou deux, ça y est, après tu vas fonctionner normalement. Les gens, ils ne se rendent pas compte, ils croient qu'il va courir jusqu'où tu vas courir. Alors dans la spiritualité, c'est la même chose, c'est un rave, il te dit, arrête, pose les valises, pose tes bagages, pose tout, viens ici, assieds-toi, voilà, je vais te dire ce qu'il faut faire. Fais ça, ça et ça, c'est tout. Et après, sois tranquille, tu ne fais pas de soucis. Maintenant, ce rave-là, quand il te dit ça, ce n'est pas quelqu'un qui a appris des choses dans des livres. C'est quelqu'un, il est là-bas quand il te parle. Tu comprends? Il est dans le makom de la refoua. Ce n'est pas que maintenant il est en train de te dire, j'ai vu ça dans un livre et toi tu ne l'as pas vu. Parce que des livres, je peux te donner une bibliothèque et je te dis, voilà la page qui te concerne, lis et débrouille-toi. Ce n'est pas des livres qu'il a vus, le tzaddik. Ce n'est pas des choses qu'il a appris dans des livres. C'est que le tzaddik, il est monté à un endroit où cet endroit-là, c'est le yichud des Arba Yesodot, c'est le yichud de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde, qui sont les maassés que des problèmes de Péroud. C'est pour ça qu'on a parlé de Shalom tellement dans le Likutei Halakhot. Vous allez voir ici, il y a beaucoup de choses qui dit Be'amkut Gdola, mais qu'on les a vues dans le Likutei Halakhot, beaucoup plus diluées que ce qu'il dit lui ici. Mais quand il a dit qu'ils ont été Kovéa à l'époque de Boaz, que les gens ils disent Shalom Bechem, il disait Shalom Bechem Hashem, c'est-à-dire il disait avec le nom d'Hashem, il disait Shalom. Pourquoi? Il disait parce que le Shalom, il amène au nom d'Hashem. Quand il y a Shalom, il y a le nom d'Hashem. Pourquoi? Parce que déjà quand il dit Bechalom avec les gens, c'est déjà un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu dis que toutes ces différences-là, elles peuvent représenter un seul souffle, une seule chose. Mais c'est ça la réparation du monde. La réparation du monde, c'est que tu prends tout ce qu'il y a sur terre. Tu prends un indien et tu prends un ananas et tu prends un singe et tu prends un ben adam et tu prends un juif et tu prends un goy et tout ça c'est une seule chose, c'est Hachem. Tout ça c'est Hachem, tout c'est que des aspects d'Hachem, c'est tout. Donc maintenant quand il y a deux personnes qui sont béchalom ou trois ou cinq ou dix ou cent ou mille, c'est niflaméonde.
Ça donne une révélation d'Hachem extraordinaire. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais que ces différences-là, ce n'est pas des différences qui sont des différences essentielles. C'est des différences techniques dans la révélation, c'est tout. Mais Béhémeth, c'est la même chose. Comme elle dit Anaël dans son livre, il n'y a pas le Dieu de l'argent et le Dieu de la santé et le Dieu de ça. Il y a un seul Dieu, c'est tout. Maintenant, chez Dieu, il y a la santé, il y a l'argent, il y a les trucs, il y a tout chez lui. Mais maintenant, il se manifeste là-dessus, ou là-dessus, ou là-dessus. Le Shefa, quand il descend, il prend une forme dans la Parnassa, il prend une forme dans la santé, il prend une forme dans les Banim, dans les Ivugim, dans tout ce qu'il y a dans le monde. Mais toutes ces choses-là, elles viennent de ce qu'on appelle Ardout Apashut, c'est-à-dire qu'il y a une unité de toutes ces choses-là. Et quand tu sais ça, tu dis Baruch Hashem, qu'il y a ça dans le monde. Ça y est, je me suis calmé. Parce que si quelqu'un cherche dans ce monde Béhémeth et qu'il n'a pas trouvé le tzaddik, quelqu'un peut devenir fou de chercher dans ce monde. Parce qu'il va voir tellement de manifestations, d'éléments qui sont contradictoires, qu'il peut devenir fou. Parce que tous les éléments dans ce monde-là, ils sont contradictoires. Quand tu rentres dans des spécificités, tu vas trouver des contradictions. Maintenant, si on ne te dit pas que ces contradictions-là, il y a un endroit où elles se rejoignent, elles ne sont plus des contradictions. C'est-à-dire que sache que même l'eau et le feu, ce n'est pas des contradictions. Il dit, mais comment? De l'eau et de feu, ça ne peut pas aller ensemble. Tu mets de l'eau, ça éteint le feu. Il dit non. Il y a un endroit où le feu et l'eau, c'est la même chose. L'eau, elle n'éteint pas le feu. Le feu, il évapore pas l'eau. Dans le Yichud de Yesod HaPashut. Maintenant, quand tu cherches que tu es à l'extérieur, mais tu peux devenir fou de voir les... Tu dis, qu'est-ce que je dois choisir dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Qu'est-ce que je fais ici, Bichlal? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, tout ce qu'on me propose, je gratte un peu, je vois que ça va nulle part. Où je vais aller avec ça? Les gens, ils te présentent des détails, des moyens comme des finalités. Et tu dis, voilà une finalité. Mais ils se disent, ça, c'est pas une finalité. La politique, c'est pas une finalité. Le travail, c'est pas une finalité. La force, c'est pas une finalité. L'argent, c'est pas une finalité. La musique, c'est pas une finalité. L'art, c'est pas une... Alors, qu'est-ce qui est une finalité dans ce monde? À quoi ça sert, tous ces trucs-là? Il y a une seule finalité dans le monde, c'est Hachem Echad, Shmo Echad, c'est tout. Mais il faut que quelqu'un vienne t'enseigner ça. Quoi? Il va te montrer comment dans la musique, il y a Hachem. Comme dans le travail, il y a Hachem. Dans l'argent, il y a Hachem. Dans le manger, il y a Hachem. Toutes ces choses-là, il va te les ramener vers Echad. Maintenant, le seul chesaron, c'est à toi de chercher. C'est à toi de chercher. Chercher la redoute. Et sache, il faut que ça soit clair dans chacun. Parce que Béhémeth, c'est des choses, chacun dans ce monde-là, il passe toutes les contradictions que chacun il a passées dans ce monde. Il faut qu'il sache tout le temps qu'il y a un point de ralliement de toutes les contradictions. Comme Rabbeinu dit, il y a un arbre, où sous cet arbre-là, à l'ombre de cet arbre, tous les animaux du monde, ils aiment être. Il peut s'asseoir là-bas un lion avec une brebis. Et il n'y a aucune agressivité. Tout le monde est béchalom là-bas, dans cet arbre-là. Il faut savoir que ça existe. N'importe quelle situation dans ta vie par laquelle tu peux passer, sache qu'il y a un point de ralliement. Il y a un point de ralliement où cette difficulté, elle va disparaître. Elle va s'inclure. Parce que cette difficulté, ce n'est pas une vraie difficulté. C'est une difficulté de péroude, c'est tout. C'est parce que l'angle sous lequel tu le prends, il est limité. C'est pour ça que c'est un problème. Mais si tu le voyais sous un autre angle, tu verras que ce ne serait pas limité du tout. Tu verrais qu'il n'y a pas de problème. Bichlal, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème du tout. Le problème, il existe dans le niveau où tu te trouves. Tu montes d'un niveau, le problème, il n'est plus là. Il a disparu. Il s'est fait absorber par le da'at qu'il y a au-dessus. Alors ça, c'est comme ça que le tzaddik, il fonctionne. Le tzaddik, il fait monter la personne. À chaque fois, il la fait monter. Il lui donne un da'at plus grand. Quand il a un da'at plus grand, il le fait descendre, il le fait réparer. Quand il se fatigue, il le fait remonter. Il lui donne plus de da'at, après il le fait redescendre. Et comme ça, c'est comme ça que le tzaddik il enseigne et il fait que les gens ils font tchouva, ils réparent mamash, ils réparent eux-mêmes, ils réparent le monde par leur avoda. Parce que le tzaddik il le fait monter et descendre. Descendre dans la contradiction et se remonter dans l'unité des choses. אבל כל העיכוב שבכל דור ודור ומצד בניו המוכרחים לקבל מאיתו, כי הם היורדים ונשתשלים מאיתו, במדרגה למטה ממדרגה. Parce que qu'est-ce que c'est les enfants du tzaddik, les nishamot Israël, en premier,
En premier, c'est les Neshamot Israël. Si tu veux, tu es Hachem, Vaïminou Bachem, ou Moshe Avdo, et après Moshe Avdo, tu as 600 000. Moshe Avdo, il a 600 000 élèves. Moshe Rabbeinu, il a 600 000 élèves qui sont les 600 000 Neshamot d'Israël. Après, les 600 000 élèves, eux, ils ont toutes les nations à qui ils doivent enseigner. Et après, les nations, elles doivent enseigner au reste de la Bria, c'est-à-dire tous les autres éléments de la Bria. C'est-à-dire qu'elles doivent travailler dans les éléments de la Bria, de la création, pour amener ça après vers le Ham Israël, que le Ham Israël y ramène vers le Tzadik, que ça remonte vers Hachem. C'est tout, le schéma du monde, il est très pachoute, il n'est pas compliqué. Il y a Hachem, il y a le Tzadik, il y a 600 000 âmes, il y a 70 nations, et après il y a le reste de la créature, animale, végétale et minérale. C'est tout, et on a fini. Avec cette pyramide, tout est englobé, il n'y a plus de problème. Donc maintenant, quand je vois un problème dans les nations, c'est là-bas qu'il faut que je regarde, moi. Les gens, ils écoutent les informations. Mais les informations de qui tu es en train d'écouter? Tu es en train d'écouter les informations de celui que toi, tu dois informer. Alors, tu es journaliste ou tu écoutes les informations? Si tu écoutes les vraies informations, tu n'es pas un journaliste, tu rigoles, tu es un rigolo. Parce qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes ce qu'il a été voir l'autre sur le terrain, tu le rapportes à ta boîte de presse, ça ne sert à rien. Lui, maintenant, c'est un journaliste. Lui, il est en dessous. Donc, c'est pas de lui qu'il faut que tu écoutes les informations. Toi, il faut que tu montes. Mordechai, lui, il va chez Esther pour voir ce qui se passe. Il ne va pas dans la rue pour voir ce qui se passe. Lui, il va chez Esther, là-bas, il entend ce qui va se passer dans la rue. Parce qu'il sait que le problème, il est en haut. Il est dans la malroute, il n'est pas dans la rue. Donc, le Ham Israël, quand il voit qu'il y a des problèmes dans le monde, c'est les problèmes du monde. Ils ne sont pas dans le monde, les problèmes du monde. Ils sont dans l'Ham Israël. Ils ne sont pas dans le monde. C'est pas difficile. Si tu as maintenant dix robinets, que ces dix robinets viennent d'un seul tuyau, quelque part. Maintenant, tu vois s'il ne marche pas. C'est là-bas qu'il faut voir. C'est pas de réparer un robinet à côté. Lui, il ne donne pas d'eau. Lui, il prend aussi de là-bas. Donc, c'est pas lui. Il ne peut rien faire pour toi. Donc, c'est pas là-bas qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder en bas. Il faut regarder en haut. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un problème dans l'âme Israël, il y a un seul problème. C'est l'Idkarvut au Tzadik. C'est le seul problème qui existe. C'est tout. Il n'y a pas d'autre problème. Le problème, c'est la machloket sur Moshe Rabbeinu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre problème. Si tout le monde est soumis à Moshe Rabbeinu et tout le monde accepte Moshe Rabbeinu, il n'y a aucun problème dans le monde. Parce que Moshe, il transmet au Ham Israël, le Ham Israël, il transmet aux nations, et c'est fini. Pourquoi Hachem, il a proposé la Torah aux nations? Pourquoi Hachem? Si jamais maintenant les Mexicains, ils avaient accepté la Torah, alors qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait devenus tous des Mexicains pour pouvoir avoir la Torah? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, Hachem, il savait que les nations, elles n'allaient pas accepter la Torah. C'est pas qu'il est... Hachem, il avait déjà prévu. La Torah, elle était pour le Ham Israël, mais seulement... Hachem, il a voulu rentrer dans la conscience de la Torah, même dans les nations, qu'elles sachent qu'elles doivent chercher. Comment elles vont chercher? Elles vont chercher dans l'adresse du Ham Israël. Et vous voyez, quand les nations elles se mettent en péroude avec le Ham Israël, quand elles se divisent du Ham Israël, ou elles essayent d'être contre le Ham Israël, c'est le pire qui peut leur arriver dans leur vie. C'est comme quelqu'un, il se dispute contre sa tête. C'est quelqu'un, il dit, ma tête, elle m'énerve, elle ne réfléchit pas bien, alors il donne des coups sur sa tête. Il prend un marteau, il tape sur sa tête. Mais il va mourir. Qu'est-ce qu'il est? Il donne des coups de marteau sur sa tête. Il est bête, il va se tuer lui-même. Mais c'est ce qui se passe dans les nations. Les nations ne savent pas que maintenant, elles sont alimentées par le Ham Israël. Parce qu'Hachem, il donne d'abord au Ham Israël. Tout ce qui passe dans le monde, c'est d'abord trié par le Ham Israël. Après, ça descend plus bas et plus bas et plus bas. Tu vois, les animaux, ils n'ont pas ce problème-là. Comme Hachem, il dit, le Navi, il dit au Ham Israël, il dit, Yodé Hachor, le taureau, il sait qui est-ce qui lui donne à manger. Et toi, Israël, tu ne reconnais pas Hachem. Un chor, un taureau, il vient, il sait très bien qu'il est dépendant, qu'il attend qu'on vienne lui amener à manger, il ne peut rien faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans son étable, il attend que si le gars il l'oublie, eh ben il va rester sans manger. Donc un animal, il n'a pas de problème sur ça. Un végétal, il sait très bien que s'il n'y a pas de pluie, il ne va pas grandir. Donc il a une dépendance qui est évidente même dans sa vie, il n'y a pas de problème. Mais le Ham Israël, lui, il oublie qu'il est dépendant. Les nations, elles oublient qu'elles sont dépendantes. L'homme, il oublie sa dépendance.
Maintenant, le Ham Israël, il est dépendant de Moshe, il est dépendant de Moshe Mashiach, il est dépendant du Tzadik Ador. C'est lui qui est Mashpia sur le Ham Israël. Et les nations, elles dépendent du Ham Israël. Donc maintenant, s'il n'y a pas un effort de Ardout dans le Ham Israël, et que cette Ardout-là, elle ne se transforme pas, elle ne se manifeste pas en Itkarvut au Tzadik, parce que c'est ça la vraie Ardout. L'Ardout, ce n'est pas d'être Ardout, d'aller boire un café, d'avoir un café du coin. Ce n'est pas ça l'Ardout. L'Ardout, ça veut dire que maintenant, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas te tromper, je ne te laisse pas te perdre. C'est ça l'Ardout. Ça peut être que tu es mon frère, je ne vais pas te laisser. Je ne peux pas te laisser, parce que tu es une partie d'Hachem comme moi, je ne vais pas te laisser. Si tu te trompes, je vais t'aider. Je vais voir comment je peux t'aider pour te sortir de là. Je ne vais pas te laisser te perdre dans le monde, parce que te laisser te perdre, ça veut dire me perdre moi-même. Que toi tu te perdes ou que moi je me perde, c'est la même chose. Ça veut dire que maintenant, on a perdu du shalom dans l'âme Israël, de l'Ardout, on a perdu la révélation d'Hachem. Tout ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas regarder en bas, il faut regarder les informations d'en haut. Il ne faut pas regarder les informations d'en bas. Les informations d'en bas, elles ne vous aideront jamais à avancer dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas de solution là-bas. C'est comme si quelqu'un il est en terminale, il a un problème dans son devoir de maths, il va à la maternelle pour lui demander au petit comment on fait pour résoudre ce problème. Il n'y a pas en bas la solution. La solution, elle n'est pas en bas. La solution, elle est rien qu'en haut. C'est tout. Toi, tu dois lever les yeux vers le haut. C'est toi, tu vas chercher où est-ce qu'il y a du yichoud. Quand tu vois en bas qu'il y a du péroud, il y a des milchamot dans l'olam, ça veut dire qu'il y a du péroud, il y a de la séparation, il y a des divisions entre les individus. Sache que cette division, elle vient du Ham Israël, que la division dans l'Ham Israël entraîne la division dans les nations. Donc maintenant, il faut résoudre la division dans l'Ham Israël. Comment tu vas résoudre la division dans l'Ham Israël? C'est qu'il faut chercher plus le tzaddik, il faut le révéler plus, il faut le diffuser plus, il faut en parler plus. Plus, tu fais le maximum que tu peux faire. Parce que c'est de ça que dépend de tout. Je l'ai vu encore hier, c'est écrit, Rabbeinu dit, Avraham ben Nachman dit, que toute la Géoula, elle dépend du shalom entre les Breslevers. C'est ça qui met à Kev la Géoula, c'est tout. C'est tout. Parce que ceux qui sont autour du tzaddik, les premiers, s'il y en a, disons qu'il y en a, supposons qu'il y en a, je ne sais pas, 5, 10, 20, 1, je ne sais pas. Si maintenant ces gens-là, ils sont béchalom, alors toutes ces kélim-là, et ils vont aller au service du niveau inférieur. C'est comme si tu dis à quelqu'un, il a une trousse à outils pour faire des choses. Alors là, il a une perceuse, il a un tournevis, il a une pince, il a un truc, il a des clous, il a ça et ça. Imagine-toi que chacun de ces éléments, il s'en va quelque part. Il dit non, moi je ne veux pas travailler avec toi. Mais l'ouvrier ne peut rien faire du tout. Parce que s'il prend le marteau, le clou il dit avant tu as pris le marteau, alors moi je ne parle plus avec toi. Il dit, mais attends, j'ai pris le marteau parce que je dois planter un clou. Non, non, moi, je ne connais pas. Moi, si tu le marteau, moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas. On se dispute tout le temps. Moi, je veux... Ou tu prends le marteau, ou tu prends le clou. Il dit, mais je ne peux pas, j'ai besoin des deux. Dit, on va faire une péroude là, et j'ai besoin des deux. Dit, non, 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 moi, je ne veux pas. Alors maintenant, quand il y a le péroude comme ça, c'est pas shoot, on empêche les solutions d'arriver en bas. Donc, les premières lignes, c'est eux qui empêchent les solutions. La première ligne qui est autour de Moshe Rabbeinu, c'est eux qui empêchent que ça descende. Donc eux, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une ardoute très très forte entre eux. Parce que de ça, ça dépend tout. Même si quelqu'un, il est sûr qu'il a raison dans sa façon de voir. Même il est sûr 100%. Il vaut mieux qu'il annule sa façon de voir pour qu'il y ait de l'ardoute. Parce que l'ardoute, elle est plus grande que n'importe quelle façon de voir. Parce que n'importe quelle façon de voir, c'est la façon d'un outil, c'est tout. Même si toi, un marteau, tu crois que ça sert à casser des noix, par exemple. Toi, dans ta tête, tu es sûr. Tu dis, mais moi, j'ai vu mon père, il cassait des noix avec un marteau. Je suis sûr que c'est à ça que ça sert. Et l'autre, tu le vois, il plante des clous avec le marteau. Il dit, il est fou, celui-là. Regarde, il utilise un marteau pour planter des clous. Il est fou. Un marteau, ça sert pour casser des noix. Ça ne fait rien. Annule. Annule-toi. Parce que quand tu vas t'annuler pour le shalom, ce shalom-là, il va produire un résultat plus grand que ton émet. Même si ton émet, il est vrai. Le shalom, il est plus grand que le émet. Parce que le émet, c'est toujours une spécificité, une spécification. Quand tu parles de spécificité, quand tu parles de produit fini, tu parles tout de suite de division. Parce que le produit, il est fini, alors il amène la division. C'est-à-dire la chose, l'esprit, il est fini, on est rentré dans les détails, on arrive à quelque chose de tellement maintenant sophistiqué, même dans la chorma, que ça fait une division avec tout le monde. Mais ça, on n'a pas besoin, nous, on veut remonter vers des choses plus générales.
plus des généralités, on peut vivre ensemble, des dénominateurs communs dans lesquels on peut s'entendre. On peut vivre à plusieurs dans ce dénominateur commun. Tandis que moi, si j'essaye de faire une spécialité, je vais me séparer du peuple. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. C'est pour ça que Hachem, il veut que le shalom. C'est la seule chose qui peut nous sortir. À dire que si maintenant je me sens en difficulté, si je me sens à la traîne, si je sens que je n'ai pas de quoi dans la tefila, dans la Torah, dans les mitzvot, n'importe où, mon seul problème, c'est un problème du shalom, c'est tout. Il n'y a pas d'autre problème. Parce que si moi je n'ai pas la force, il y a l'autre qui a la force, ce n'est pas un problème. Il va me le donner la force, l'autre. Il va me la donner. Si vous avez plusieurs robinets qui sont connectés à une source, si on est béchalom, il y a toujours un robinet qui marche. Maïnaf Kamina, si j'ai pris un verre d'eau dans celui-là, ou dans celui-là, ou dans celui-là. Et le tuyau, il est rouge ou il est bleu, le vert, ce n'est pas d'importance. Le écart, c'est que j'ai eu mon verre d'eau, c'est tout. Maintenant, si je suis béhardout, alors ça y est, le shefa, il circule. Il vient, un shefa qui va résoudre mon manque, mon problème. Parce que ce shefa-là, c'est un shefa qui inclut tous les niveaux qui sont des niveaux de restriction par rapport au niveau supérieur. Tous ces niveaux-là, ils sont restreints par rapport au niveau supérieur. Tous ces niveaux, ils ont leur supériorité, ils ont leur solution dans le niveau supérieur. Là-bas, toutes les restrictions disparaissent, parce que ces restrictions elles viennent uniquement du fait que j'ai été trop loin dans la spécificité. Et je suis plus obligé d'aller, parce que je suis obligé de faire mon travail à moi. Mon travail à moi, c'est mon travail. Si mon travail, c'est d'étudier beaucoup, de prier beaucoup, de travailler, ou de donner la tzedaka, ou de faire du chesed, ou de m'occuper de ma famille, ce que je dois faire, il faut que je le fasse. Mais il faut que je le fasse béhardout. Parce que quand je le fais béhardout, je vais tout de suite profiter d'un niveau qui inclut tous les manques qu'il y a dans mon niveau par rapport à la hardout. Et comme ça, avancer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est ce que le sadique, il a fait toute sa vie. Toute sa vie, le sadique, il a fait que réunifier les choses. Encore, unifier, jusqu'à qu'il est arrivé au maximum de l'unification des éléments qu'on peut arriver dans ce monde. Pour ça, Rabbeinu, il voyageait, il allait là des fois, il allait à Lemberg, il allait à Novrich, il allait dans des endroits, et il disait, si les gens ils savaient qu'est-ce que je suis en train de faire dans ces voyages-là, ils auraient embrassé chaque pas que je fais sur la route, les gens ils seraient venus l'embrasser. Parce que Rabbeinu, il incluait des éléments et des éléments et des éléments chaque fois. Pourquoi? Pour réparer le monde, pour amener des solutions dans le monde. Ces solutions, elles viennent que de niveau supérieur. Donc il te dit, sois tranquille, la solution, elle est là. Le tzaddik, il a ta solution. Maintenant, toi, tu dois arriver chez lui. Et comment tu vas arriver chez lui? Beikar, c'est mets de côté l'obligation qu'il y a à appliquer ta façon de voir uniquement. Arrête de croire que tu as un brevet unique dans la façon de voir la vie. Peut-être que tu as un brevet commun avec d'autres. Toi, tu as ton brevet, l'autre, il a son brevet. Et on fonctionne ensemble. On travaille ensemble. Je n'ai pas plus raison que toi, je n'ai pas moins raison que toi. J'ai ma façon de voir et toi, tu as la tienne. Et on est béyachad. On est béchalom béahava. Alors avec ça, dès qu'on se met béahava, on tire. On tire tout de suite des gens de l'étage d'en dessous. Tout de suite, c'est automatique. Tout de suite, tu vas tirer quelqu'un d'en dessous. Pourquoi? Parce que lui, il est resté en dessous, parce que t'as fermé. L'accès à l'étage supérieur, il est fermé, puisque tu t'es isolé. Tu as créé deux, alors que ces deux-là, tu pouvais faire un. Dès que tu as fait un, il y en a deux en bas qui ont trouvé une porte, ils sont montés. C'est ce que Rabbeinu dit que pour le kibbutz de Rosh Hashana, il dit que maintenant, ceux qui viennent, chacun qui vient, c'est des millions et des millions de possibilités qui s'ajoutent pour que le tzaddik puisse tirer des gens. Parce qu'il fait la hardout entre tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là, ils sont béyachad. Alors, tu rentres dans... Pourquoi on te dit, c'était bien, il y avait un truc, c'était super et tout. Tu dis, combien il y avait de personnes? Ben, il y avait là-bas, il y avait 300 000 personnes. Waouh, 300 000 personnes, ah, c'est vraiment... Pourquoi maintenant on est étonné qu'il y a 300 000 personnes? Parce que si tu as 300 000 personnes qui sont d'accord sur un truc, qui vont voir un truc, ça veut dire que cette chose-là, elle touche beaucoup d'aspects de la population. Puisque maintenant, il y a 300 000 personnes qui sont bougées pour aller voir cette chose-là. Ça, c'est pareil. Tu avais Ouman avant. Tu parlais il y a 25 ans, 30 ans de Ouman. Ouais, c'est bien. Bon, il y a des Breslev, ils vont là-bas et tout. Après, quand il y a 850 000 à 2000, ah, il y en a quand même beaucoup qui vont. Après, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Ah, bah, comment ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Il faut que j'aille voir. 30 000, ils vont. Et à Oshana, tout ça. Tu
tu vois que ça devient un quelque chose qui, de par l'ardoute des gens, ça fait réfléchir. Ça te dit, voilà, mais il doit y avoir une solution là, c'est pas possible. Que des gens y vont comme ça, toutes sortes de gens, etc., qui sont béardoute, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors ça aspire les gens qui sont, eux, cloîtrés dans leur façon de voir, et qu'ils ne savent pas que toutes leurs difficultés, tout ce qu'il y a dans leur vie, c'est parce qu'ils sont cloîtrés dans leur façon de voir. Pour ça, regarde les nations, les pays qui sont restés fermés sur eux-mêmes. Ben, ils n'ont pas profité de beaucoup de choses qui étaient de l'avance dans la technologie, etc., que d'autres pays ont eu. Et eux, ils sont restés là où ils étaient. Et que pour labourer un champ, ça lui prend une semaine. Alors que avec un tracteur et un truc, en une journée, il a labouré son champ, il passe à autre chose après. Il a une productivité beaucoup plus grande parce qu'il a profité de ce qui a été découvert dans d'autres endroits. Mais dans le monde, c'est pareil. L'homme Israël, chaque jour, il découvre. Chaque fois que l'homme Israël, il fait schéma, chaque fois que l'homme Israël, il fait les tefilin, mais les tefilin, il fait Shabbat, il amène des solutions dans l'humanité, de découverte d'Hachem. Mais seulement, il faut être béchalom, sinon toutes ces découvertes-là restent stockées dans des laboratoires, elles ne descendent pas dans le peuple. Nous, on veut que ça descende dans le peuple, que ça descende dans les nations, que les gens véhémettent, ils ont une argacha extraordinaire de ce que c'est la Torah. Comme Rabbi Nathan il dit à son fils, il dit, si tu auras le mérite, tu vas ressentir, il dit, tu vas te sentir à toi, et là tu vas pouvoir faire Hidbo des doutes, tu vas te sentir à toi, où est-ce que tu te trouves, dans quoi tu te trouves, et là tu vas faire Hidbo des doutes, tu vas parler avec Hachem, et avec ça après Hachem il va t'ouvrir des portes pour que tu montes. Donc toute la difficulté elle est de notre côté, ce qu'il dit ici, le Kabel Mito. Maintenant, plus tu vas descendre, et plus tu vas trouver de la division, jusqu'à faire de la division de Zeleumadze, c'est-à-dire tu peux arriver à des opposés même, c'est-à-dire du feu et de l'eau, tu peux arriver. Et maintenant, il faut que quand tu vois le feu et l'eau, tu l'as émouna que c'est la même chose. Il dit, comment c'est la même chose? Du feu et de l'eau, c'est la même chose. Le feu et l'eau, c'est la même chose. C'est vrai que là où tu te trouves, ça apparaît comme ça. Mais tu vas monter à un autre niveau, tu verras que c'est la même chose, l'eau et le feu. Et il dit que l'Aishtal Shelut, elle descend, jusqu'à ce que maintenant, toutes ces ramifications, elles arrivent à donner même des produits entièrement opposés, complètement opposés. Et c'est maintenant de ces gens-là que ça va dépendre, que tout va dépendre. Que tout va dépendre, comme il disait Zachar Tov, il y a Besançon, il disait une tenaille, comment elle a la force d'attraper quelque chose? Parce qu'il y a un côté qui va à droite et un côté qui va à gauche, c'est-à-dire il y a deux c'est contraire. Maintenant quand tu appuies sur deux contraires, ça attrape quelque chose. Mais là c'est pareil, tu prends deux contraires, ils sont béyachad, ils attrapent quelqu'un qui était en dessous. Parce que maintenant ils sont béyachad. Quand deux opposés sont mébéachad, alors ils font monter ceux qui sont en dessous, parce que ceux en dessous ne peuvent pas monter. Il n'y a pas d'ouverture. L'ouverture, elle dépend que de ceux qui sont en haut. Les gens qui sont en bas, ils sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir. Plus le niveau, il est bas, et plus les gens, ils sont enfermés. C'est normal, parce qu'ils sont dans des levushim, de levushim, de levushim, qu'ils ne peuvent même pas imaginer qu'il y a une sortie qui existe. Même pas imaginer. Maintenant, quand des gens d'en haut, ils se mettent béachad, ça y est, ça ouvre. Ça ouvre le niveau inférieur. Et là-bas, il y en a qui réagissent et qui montent. Maintenant, dès que des gens du niveau en dessous, ils montent, ça, il y a d'autres qui montent, etc. Comme ça que tout Olam, il est en mouvement en permanence. Pour ça que tout dépend de l'Achdout dans le Ham Israël, dans sa recherche du Tzadik. C'est que de ça que ça dépend. L'Achdout dans la recherche du Tzadik. Il faut savoir que le Tzadik, c'est Olé à la colle. Que quelqu'un, il doit mettre tous ses intérêts de côté, toute sa vie de côté, tout ça. Le Icar, c'est que le Ham Israël, il connaisse le Tzadik qui va lui amener la Refoua. C'est ça le Icar. Maintenant, moi, si je connais le Tzadik un petit peu, ou un peu moins, ou un peu plus, ça ne va pas changer grand-chose pour moi, personnellement. Le Icar, c'est qu'il y ait d'autres qui puissent avoir accès. Ça, oui, ça, c'est important. Ça c'est important. Des gens qui sont complètement dehors, qui rentrent, ça c'est beaucoup plus important que si moi j'ai avancé. Parce que si j'ai avancé tout seul, et si j'ai avancé bépiroud, et si au contraire, quand j'ai avancé, ça m'a rendu encore plus en piroud avec les autres, qu'est-ce que j'ai gagné? Il valait mieux que j'avance pas.
Il valait mieux que je reste plus bas et que je sois copain, que je reste avec les copains. Maintenant que je suis monté, je ne peux plus avoir de copains parce qu'ils disent ah non, maintenant tu es trop rachouf, on peut plus rigoler avec toi. Ça y est, tu es devenu quelqu'un trop sérieux, maintenant on ne peut plus s'amuser avec toi. Alors à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est monter, mais il faut prendre tout le monde avec soi, comme dans une famille. Un père, il doit être toujours béardoute avec sa femme, ses enfants. Il ne doit pas être tout seul dans sa avodat Hashem. Il faut que tous y soient avec lui. Il faut qu'il arrive à les prendre à tous. Ça veut dire qu'il a une avodat Hashem beprinat echad. וכל שהמדרגה יותר למטה, יתרה בבא יותר הפירוד וההתחלקות זה לעומת זה. וגם יש לבאר שמחמת זה בעצמו נאחז ומתגבר הפירוד. Donc maintenant, puisque maintenant, au niveau en bas, il y a plus de division et d'opposition entre les gens. Donc il va y avoir encore plus du pirud et de rachakout. Il peut y avoir de l'éloignement, que les gens tombent complètement chez Bereshit Agoïm, jusqu'à tomber dans Amalek. Jusqu'à tomber Amalek, parce qu'Amalek, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière station de Machloket. Le dernier niveau de Machloket qui existe dans le monde, c'est Amalek, puisque lui, il est Milchama Hashem. Lui, il a dit, moi, je fais la guerre contre Hashem, direct. Il n'y a pas de truc un peu comme ça. Lui, il dit, moi, je suis l'opposé d'Hashem. Donc, d'un côté, tu as le Oren Sof, tu as Hashem, tu as le Tzadik, tu as le Ham Israël, tu as les Oumot, tu as toute la Bria. Et de l'autre côté, quand tu descends dans la plus grande matérialisation de tout, tu vas trouver là-bas Amalek, que lui, c'est l'opposé d'Hashem Mamash. Maintenant, d'où il vient Amalek? Il vient de la multiplication des divisions. C'est ça de là qu'il vient Amalek. C'est que maintenant, au début, il y avait Moshe. Il y a eu Korach qui est venu, il a commencé à être avec Moshe, sur Moshe, tu as eu Adat Korach, après ça, et ça a commencé à descendre. Après tu as eu d'autres religions, après d'autres trucs et tout, et après tu descends, le plus bas qui existe, tu vas trouver Amalek. C'est pour ça Rabbeinu il a dit, il faut m'enterrer là-bas, chez Amalek. Mon kever, il va être chez Amalek. Parce que c'est là-bas qu'on va travailler. De là-bas, on va monter et descendre, depuis cet endroit-là. Parce que c'est l'endroit d'Amalek Mamash. C'est l'endroit Mamash de Amalek. Hein? Le Garonne, là-bas. Ouais. C'est Mamash, l'endroit où Amalek, c'est la seule nation du monde qui a enlevé le judaïsme, qui a enlevé tout. Alors Abénou, il a dit, moi je vais aller là-bas, et de là-bas on va réparer tout. De l'endroit Mamash de Amalek. Alors Abénou, il le tient à Amalek. Abénou, il prend Amalek. Et Amalek, il ne peut pas bouger. Le Rebbe, il le tient. Le Rebbe, il n'a pas peur de Amalek. Nous, on a peur parce qu'il peut nous rendre en morceaux. C'est-à-dire, il peut nous diviser à nous-mêmes. Dans nos têtes, il peut nous diviser. Regardez un homme dans une journée, combien de vie il a dans une journée, d'aspects de sa vie, comment ça change dans une journée. Alors Amalek, il peut nous faire, au lieu de 5 morceaux, 10, 20, 30 morceaux, on a peur. Mais le tzaddik, il ne peut pas le bouger, parce que le tzaddik, il est inclus complètement dans l'infini. Donc Amalek, il ne peut rien faire. Amalek, il a peur du tzaddik. Le tzaddik, il se met chez Amalek, et de là-bas, il commence à travailler, à rapprocher tout le peuple d'Israël. À partir de cette Nekouda-là, de tout l'homme Israël, et après ça va être toutes les Oumot, et tout va se réparer par rapport à cette Nekouda-là de Hardout. Voilà, Bézat Hachem, alors on continuera.